Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce lundi 30 janvier, on reste à Vincennes mais on descend de plusieurs étages hein, après le dimanche et le week-end du Prix d'Amérique. Du coup voilà la première course de cette première réunion, le Prix de Château-Giron qui sera support de Quintet Plus mais également de The5, c'est un quintet. Par défaut, hein, euh, il n'y avait pas assez de, de partants dans le prix de rétel euh, ni dans euh, le prix euh, Elma, il me semble, hein, de compétitions qui aurait pu servir euh, de support au pari à la carte. En tout cas, on a affaire à des euh, poulains de quatre ans n'ayant pas gagné 38 000 euros, une course européenne euh, du coup très très difficile à déchiffrer. 15 concurrents euh, qui vont euh, parcourir les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes, aucun des concurrents euh, n'y a fait l'arrivée, il y en a un qui a déjà couru sur ce parcours mais en étant disqualifié du coup euh, c'est vraiment compliqué d'autant qu'il y a beaucoup d'Italiens comme vous allez voir, hein, les dés euh, ce sont des Italiens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 9 9 italiens au départ dans cette course européenne 9 sur 15 ça fait beaucoup euh, il y en a qu'un seul qui a déjà couru sur notre sol en plus donc voilà ça vraiment veut mettre du piment et ça va corser euh, ça va corser cette course à mon avis donc voilà euh, une course qui peut réserver pas mal de surprises en tout cas euh, on va essayer de faire le papier ensemble moi j'ai retenu en tête de ma sélection euh, le numéro 13. Euh, Jason. Euh, C'est un concurrent qui est estimé hein, par Pierre l'évêque Il reste sur deux euh, très bonnes tentatives. Deux tentatives d'ailleurs sur la piste de Vincennes. Hein. Il vient d'y débuter et, euh, cet hiver et il y a vraiment bien couru à deux reprises. Euh, vous le voyez hein, dernièrement, c'était euh, troisième. Euh, le 31 décembre, il courait très très bien auparavant. C'était également une troisième place. Hein. Il a fait deux fois troisième, une fois euh, sur les 2008 de la petite piste et une fois euh, sur les 2500 mètres de la grande piste. Du coup, l'un dans l'autre, il est non seulement capable d'avoir de la tenue sur la piste de Vincennes, mais également euh, il a son aptitude euh, à la grande piste et donc à la montée donc voilà ce sont deux performances euh, qui à mon avis euh, font converger euh, ses aptitudes et qui euh, me font penser qu'il est capable certainement euh, de bien faire sur ce parcours en tout cas euh, c'est un cheval comme j'ai dit qui est estimé par son entraîneur il n'a pas l'air d'avoir euh, besoin d'être déféré pour bien faire contrairement à certains rivaux et euh, voilà son entraîneur est assez confiant et euh, je pense que ce euh, jason il est vraiment capable de jouer les premiers rôles même si comme je l'ai dit c'est une course ouverte et ce sera certainement une question de parcours Ensuite, j'ai retenu le 5, hein, jeune ami, euh, c'est la Kazakh euh, de Yannick Desmet. C'est vrai que euh, c'est un ancien entraîneur, hein, d'ailleurs un, un homme qui court souvent euh, dans les courses pour amateurs, même si ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. En tout cas, euh, il a pas mal de bons chevaux hein, sous sa Kazakh, hein, que ce soit Gently de Muse notamment, ou encore d'autres dont le nom ne me revient pas. En tout cas, ce jeune ami, il a prouvé euh, qu'il avait de la qualité, hein, puisque ses quatre premières sorties, c'est deux victoires plus 2 deux deuxième places euh, Dernièrement, il s'est montré fautif, il était parmi les chevaux les plus en vue, euh, faut vraiment pas le condamner là-dessus. Hein. C'était ici euh, le 17 janvier dernier. C'était il y a même pas deux semaines. C'était euh, voilà, il y a 13 jours. Euh, du coup, vous le voyez, il était proposé à 5,60€. Il était euh, parmi les plus joués. Moi, je le reprends confiance. Je pense que ce parcours sera plus. Euh, plus euh, plus, con, plus, à son, plus à sa convenance, pardon, euh, un parcours de tenue même s'il a prouvé qu'il avait de la vitesse et c'est vrai que euh, en tout cas Alexandre Brouillard pourra prendre son temps avec lui et ça peut être un avantage. Euh, ce parcours des 2850 mètres, du coup voilà c'est un poulain perfectible euh, qui a certainement les moyens euh, de réaliser une grande performance à ce niveau-là. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le, 15, le 14, pardon, Jérôme d'Érable. Alors, vous le voyez, il a surtout couru au trop monté ces derniers temps, d'ailleurs. Ces trois sorties au trop monté, c'était sur l'hippodrome de Marseille et c'était très très bien. il a notamment fait l'arrivée sur 2007 grande piste. Il a même gagné, je crois, lors de ses premiers pas au trop monté. Maintenant, il sera déféré des antérieurs pour son retour à l'attelage. Je pense vraiment qu'il est capable de bien faire dans cette catégorie. On le défère des antérieurs, à mon avis, parce qu'il a parfois euh, des petits soucis. D'ailleurs, en tout cas, il est un petit peu euh, comme ça, encore, encore pas bienvenu. Et euh, c'est vrai que le fait d'avoir euh, du moins de poids aux antérieurs, ça va jouer à son avantage. Euh, voilà, et puis on le sait, hein, c'est un fin préparateur Clément Thomas. Son euh, frère David Thomas qui est au Sulky en général, c'est également un signe de confiance. J'aime beaucoup sa candidature euh, sur ce qu'il a montré à l'atelier et euh, sur la grande piste de Vincennes sous la selle. Je pense vraiment qu'il a suffisamment de dureté et de tenue euh, pour réaliser une, une grande performance lui aussi et pourquoi pas même lutter pour la victoire. Ensuite, euh, je me suis intéressé à un candidat italien, le numéro 4, euh, Dr Caff. Il vient de se balader en Italie, hein, je crois que c'était du côté de Milan, euh, ce pensionnaire de euh, Pietro Gubellini, un hein, Pippo Gubellini, un homme qui est toujours très très adroit et lorsqu'il vient en France, en général, ça se passe euh, régulièrement bien, en tout cas. Ce Dr Caff se présente en pleine possession de ses moyens, vous le voyez, il est assez régulier. Alors voilà, c'est toujours pareil, hein. la tenue avec les Italiens, la grande piste de Vincennes, ça reste le point d'interrogation, mais je pense vraiment qu'il est capable de s'y plaire. En tout cas, on le défère des quatre pieds de la part de son entraîneur, c'est un signe de confiance, et je pense qu'il fait le déplacement avec de grosses ambitions, et il faut vraiment s'en méfier. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 10, Giacomo Debo, Alors, à mon avis, c'est peut-être le concurrent euh, qui possède les meilleures performances. Hein. Euh, j'ai vu une performance au printemps où il était troisième derrière Josh Power ou Jaguar Griff. Euh, Jaguar Griff, qui a terminé deuxième du Critérium des Trois Ans en fin d'été, donc euh, c'est pas rien. Euh, c'est un concurrent qui a couru vraiment dans des bons lots. C'est un cheval qui a pas beaucoup couru, mais qui a des performances qui tiennent la route. Là. Il a fait une rentrée assez discrète, mais son entraîneur fait appel à Mathieu Mottier. En général, euh, c'est un signe de confiance. Je pense vraiment qu'il a une très belle carte à jouer s'il est suffisamment prêt. Voilà, j'ai tout dit s'il est suffisamment prêt. Parce qu'avec une seule course, ça peut être insuffisant. Mais on le voit hein, en début de carrière, il s'est illustré d'entrée de jeu. Il est troisième, deuxième, premier. Du coup, ça me fait penser qu'il s'est un cheval qui se prépare vite. Et si on fait appel, comme j'ai dit, à Mathieu Mottier, c'est certainement qu'il est suffisamment affûté pour jouer un rôle intéressant. C'est pour ça que je l'ai retenu en euh, cinquième position. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 8-1. Hein. Euh, Dylan Dog Fonte, un concurrent présenté euh, par Moreau euh, Baroncini. C'est aussi un homme euh, qui est très adroit et puis il fait appel à Gabriel Germini, C'est un cheval qui est en forme. Vous le voyez, il reste sur deux victoires. La dernière fois, je crois que c'était également du côté de Milan. Il s'est baladé euh, également. C'est un cheval, je crois, d'ailleurs, qui a déjà couru sur des parcours de tenue. En tout cas, euh, c'est une candidature qui me plaît tout particulièrement. Même si je retiens seulement sixième, je vous l'ai dit, c'est très ouvert. Il faut faire des choix. En tout cas, euh, il a dévoiler suffisamment de qualité pour pouvoir bien faire à ce niveau-là, à mon sens en tout cas, il vit en pleine possession de ses moyens sur la cendrée parisienne, attention à lui, si Gabriel Germini arrive à lui donner le bon parcours, il est vraiment capable de jouer un rôle très intéressant également. Ensuite, en septième position, le numéro 6, euh, Dingo. Bah, Dingo, il avait d'ailleurs battu Giacomo Debo, je crois. Au printemps, il est venu une seule fois sur notre sol et euh, pour une quatrième place sur le parcours euh, de tenue de la Grande Piste de Vincennes, 2700 mètres. Alors là, ce sera 2850 mètres, mais il a prouvé quand même, entre temps moins de 15, euh, qu'il était capable de bien faire sur la Grande Piste de Vincennes. Et c'est un avantage par rapport à certains de ses rivaux, euh, et notamment euh, italiens, euh, qui vont euh, se déplacer également. Donc voilà, Dingo, je pense que ce numéro 6, il a vraiment les moyens de réaliser une performance intéressante. Vous le voyez en plus, un chrono de 11-8. J'aime bien les, les concurrents qui ont de la vitesse et qui sont montrés qu'ils avaient de la tenue, ça veut dire vraiment qu'ils ont de la qualité. Et pour moi, ce numéro 6, Dingo, c'est vraiment un des concurrents qui est capable de brouiller les cartes et de pourquoi pas prendre une place à cote. Et enfin, en 8 position, j'ai retenu le 9-1 hein, Just à midi. Un cheval qui est en forme, vous le voyez, il reste sur une quatrième place le 31 décembre derrière Jason, puis dernièrement une 3 place dans le prix de Biarritz il y a une dizaine de jours. Un cheval qui est en forme, euh, qui se montrait assez fautif euh, l'an passé, qui semble être un peu plus assagi, en tout cas, euh, déféré des, des postérieurs, confié à Franck Ouvry. Je m'en méfie, plutôt pour une place, mais c'est un cheval qui a l'air d'être dans sa catégorie, qui a l'air d'avoir encore une certaine marge de progression, et comme beaucoup de concurrents. Comme j'ai dit, Sauver, il a les moyens peut-être de prendre une place dans cette compétition. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 2 Dr Duo, pour le citer, parce que franchement, j'aime pas trop son profil. Euh, c'est le redoutable Alessandro Gocciadoro qui le présente. Maintenant, vous le voyez, c'est premier ou disqualifié. Euh, pour un cheval qui découvre la grande piste de Vincennes, qui découvre la distance et qui va devoir partir à la volte, ça ne présente pas forcément beaucoup de garanties maintenant. C'est un cheval qui est promis au disqualifié, comme je l'ai dit, c'est certainement qu'il a de la qualité, mais bon, ce sera sans moi, ce sera plus un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 Jason que j'ai retenu en tête devant le numéro 5 Jeune Ami. Le 14, Jéroboam Dérable. Le numéro 4, Dr Caff, Le 10, Giacomo Debo. Le 8, Dylan Dog Fonte, Le 6, Dingo. Et le numéro 9, Just a Midi, Et en cas de non partant, le numéro 2, Dr. Gio. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu. Bah écoutez, euh, le 13, Jason, je pense que c'est un poulain imperfectible qui a vraiment les moyens de buter pour la victoire dans une telle course. Le 5, jeune ami que je reprends en confiance, euh, qui a également montré de la qualité. Puis le 14, Jérobo Amdera, pour son retour à l'attelage, je pense qu'il est lui aussi capable de jouer les tout premiers rôles. Trois bases, euh, pas forcément spéculatives et euh, ça ne présente pas non plus. D'énormes garanties, mais c'est un lot qui euh, est très difficile à déchiffrer. Donc voilà. Euh, moi en tout cas ce seront mes trois préférés, 13, 5 et 14. Euh, on va faire un petit tour du côté de nos deux rubriques. Hein. Top Pronoture sélection. C'était un petit peu difficile. Hein, vendredi et samedi, en tout cas, quelques trios. Regardez, notamment. Aujourd'hui, ce samedi, enfin aujourd'hui c'était hier, euh, avec un très haut à plus de 1760 euros qui vous a été indiqué par Turf Sélection. Donc vraiment une très belle performance de la part de notre rubrique. Vous pouvez d'ailleurs tester ces deux rubriques. Hein, c'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur turf-fr.com pour en profiter. Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Point com. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'avenue de Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye